Hello guys, bonjour la famille, c'est comment? Today, I will show you how to make some yogurt from liquid milk. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du yaourt à partir de lait liquide. Do not forget to subscribe, to comment and to share. N'oublie pas de partager, de liker, surtout de t'abonner. Pour ingrédients, nous aurons besoin de 550 g de lait entier liquide, d'une cuillerée à soupe de yaourt en tant que ferment lactique, 70 g de lait entier en poudre. So, since we are making some yogurt from scratch, we need 550 g of whole milk, liquid whole milk, 1 tablespoon of yogurt as a lactic ferment, and 70 g of whole milk powder. Tout ça et puis bon, on se dit à tout de suite. Vous allez porter votre liquide, le lait liquide à ébullition. Fais attention à ne pas brûler. So, let it boil it. That's what I'm doing. We bring it to boil. When it starts boiling, just remove from your stove. Quand ça commence à bouillir, faites descendre. Let the temperature drop to 110 Donc, ce qu'on Fahrenheit. Va faire, on va venir vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vérifie. Mon doigt peut rester un peu longtemps. C'est que c'est bon. So, this is how I test it. Ok, now, je vais ajouter le lait. D'abord. I want some creamy yogurt. It's about 1. Ajoutez le yaourt et remuez juste un peu. Transférez le mélange dans un bocal fermer et puis mettre ça dans un endroit chaud. Gardez ça au chaud parce que c'est ça le secret. Gardez ça dans un endroit chaud parce que si c'est froid, le lait risque de ne pas prendre. Le yaourt risque de ne pas prendre. Merci. Je vais utiliser. Et puis je vais faire, I will use it. I will just come in. Because I want to keep the heat inside. Je veux qu'il soit chaud. Donc c'est ce que je fais. Une glacière. Et je mets ça et je vais fermer, laisser fermenter pour 8 heures au moins. Voilà. Okay. Next morning. Le lendemain. After like 16 hours, après 16 heures, je vais laisser l'anglais, là il est 10 heures. Bon, après 16 heures, je vois que la consistance n'est pas trop ce que je voulais. Ça veut dire qu'il y a eu un problème avec la température. Je vais donc laisser reposer au réfrigérateur pour 4 à 5 heures pour donner plus de consistance à mon yaourt. Après 4 heures de repos, la consistance ou bien la différence est visible. À ce point, vous pouvez consommer ça en yaourt nature ou bien ajouter le sucre et puis le parfum que vous voulez. Moi, j'évite le sucre dans le yaourt.
Ah, tenez, la prochaine fois, je vais vous montrer comment faire ce yaourt crémeux, comment faire ce mélange crémeux que vous voyez. Il faut battre maintenant pour enlever tous les grumeaux dedans.